Salut à tous, alors me revoilà toujours dans cette caverne. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ce bouton? Ok. Ah, 4 coffres quand même. Alors ça pour moi c'est les ennemis les plus chiants. Parce qu'ils sont par 3. Ils sont bien chiants avec leur attaque là. Ça sert à rien, c'est chiant. Et apparemment, quand le chocobo et les trucs de cartes là, dès qu'on arrive à en faire un sur la roulotte là, enfin la roulotte, la truc, bah les deux autres ils sont quasiment obligatoirement. Oh non, voilà. Voilà pourquoi, pourquoi je les déteste. Ah, ça peut marcher. J'ai eu de la chance. Alors j'espère que les coffres sont pas trop piégés. On va voir ça. Magicite. Alors Magicite, c'est pas une Magicite pour une invocation. Magicite, en fait, c'est un objet qu'on utilise en combat et ça invoque une invocation au hasard. Et voilà, Armatma. L'arme, une des armes la plus puissante du jeu. Donc, je vous la montre. À l'attaque max, 255, et en fait à l'attaque selon la vie du porteur. Donc si on a 9999 de vie, on attaque à 9999. Alors, donc, fallait surtout pas la louper, hein. Ouais, attaque, point d'interrogation, c'est selon la vie. On devient plus fort quand les PV augmentent. Et on peut en avoir deux, désormais. Là. Donc fallait surtout pas louper cet endroit. Hein. Comme quoi, cette caverne, il y a franchement des super objets quoi. Voilà. Donc voilà, Armatma sera mieux plus tard. Hein. Vous verrez vers la fin du jeu à quel point elle est utile. On peut en avoir une deuxième en la volant sur la deuxième arme Atma qui est un monstre. Donc après il faut tuer un monstre pour l'avoir. Non putain. Je me gourre à chaque fois. Et merde, ça c'est quand il n'y a plus beaucoup de vie qui fait ça. Il y a un de moins. Voilà. Alors, j'ai le phénix. Vous avez vu, je l'ai pas usé beaucoup de MP pour l'instant. Donc ça c'est le coffre qu'on a déjà touché l'autre fois, donc ça sert plus à rien. Merde! Fais chier avec ces chocobos de merde là.
Alors je vois pas l'intérêt de faire ça en fait. Ouais mais ça on s'en fout parce qu'on a déjà touché le coffre. Enfin, Magicite encore une fois. Je crois qu'on arrive à la fin là, de la caverne. Bon le jeu, je vous le dis, c'est même pas la moitié là. Même pas le tiers je crois. De toute façon le jeu va être beaucoup mieux après, parce qu'il y a plein de rebondissements. Donc, je vous jure, on s'y attend pas, hein, à tous les trucs. Ouais c'est ça. Donc là on est à la caverne. Donc là c'est la porte scellée hein, par les espères. Et là on entend Kafka. Donc là on doit tenir contre Kafka. C'est pour ça que la base il y avait personne dedans. On les renvoie, les sort. Ouais, c'était pas long. Mammouth, ça je sais plus comment il s'appelle, Zonzi quoi. Enfin, je vais pas tous les nommer. Hein. Donc là, vous voyez les espères qui sortent. C'est que des espères qu'on peut avoir. Ouais. On voit Shiva. Alors, qui a été censé être dans l'usine, forcément. Il y en a peut-être plusieurs. Vous voyez, c'est une véritable catastrophe, tous les espères sortent. Ils ont pas trop l'air de vouloir nous aider. Non, on recommence de là. Oh, mais ça fait trop chier. Non, oui, c'est bon. J'ai eu peur. Hein. Bon, allez, ça coûte rien. Je vais me les faire en 5 secondes. Thank you.
peut sortir direct. Et nous voilà sur la carte. Voilà, les Aspers attaquent la capitale de l'Empire. Donc vous voyez, ils sont décidés à se venger. Donc ça, c'est un petit bug. Donc là, je sais pas qui est ce qui conduisait, mais c'est un gros boulet. Voilà, on est KO. Donc c'est marrant, on peut voir toutes les réactions de tout le monde. Donc là, il y aura d'autres persos, bizarre. J'ai dit 14 persos en tout, dont 2 cachés. Ils sont pas tous obligatoires. Hein. Là, vous reconnaissez les monstres. Alors la carte, donc là on voit qu'il y a une ville au nord-est, nord-ouest, pardon. Poupoulet, c'est quoi ce nom? Avec 3 attaques de zone, là ils sont morts. On va déjà avec 2, c'est bon. Et nous voilà Maranda.
Donc vous verrez la suite. Je sais pas si j'arrête là en fait. Bon, allez. Bon, ça va encore. Ils font des combats de chiens. On voit aller, hein. C'est pas la joie. Vous vous rappelez qu'on devait lire une lettre à un mec? C'est à elle qui a été destinée la lettre. Donc, vous voyez, il y a des petits trucs quand même sympas. Bon, tu me laisses passer ou... Ouais, voilà. Alors, je vais me reposer à l'auberge. Ce qui m'étonne, c'est qu'il y a toujours 4 lits. C'est bien fait exprès pour les persos. Bon voilà, je crois que je vais vous laisser après cette bonne nuit de sommeil. Donc à bientôt et salut.